Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons apprendre aujourd'hui à inscrire un article publié sur un blog dans une catégorie. Donc ici, on a écrit notre titre, on a écrit le corps de notre article. Il ne reste plus qu'à l'inscrire dans une catégorie. Donc, par défaut, un article qui n'a pas de catégorie, il est dans la catégorie non classée. Donc il suffit de décocher non classé. Ici, cet article, eh bien, je vais l'inscrire dans la catégorie TIS et la catégorie tablette. Il ne me reste plus qu'à publier. Si jamais je voudrais mettre une nouvelle catégorie parce qu'elle n'existe pas, il suffit de faire nouvelle catégorie, d'écrire le nom de la catégorie, par exemple exemple, et je clique sur ajouter une nouvelle catégorie. Si je veux rajouter cette catégorie comme sous-catégorie à une autre catégorie, il suffit de choisir par exemple ici EPS, hein, tout simplement, voilà, et de faire nouvelle catégorie, tout simplement. Donc on voit maintenant que dans EPS, qui va se retrouver, alors EPS va se retrouver... Va se retrouver ici normalement. Je ne vois plus EPS. Voilà, donc ici on a exemple et EPS, vous voyez, hein, en sous-catégorie. Si on veut ensuite administrer les catégories, donc je vais publier ici, je décoche exemple, hein, parce que je publie mon article. Si je veux ensuite administrer mes catégories, je vais ici dans catégories et je vais pouvoir, vous voyez ici, hein, toutes mes catégories. Hein, ici par exemple, exemple, hein, je peux faire une modification rapide ou la supprimer. Vous voyez, je peux la mettre dans une autre catégorie, etc. Annuler. Ici, je vais la supprimer. Vous voyez, tout simplement. Ici, je peux rajouter une nouvelle catégorie également. Voilà. À bientôt pour un autre tuto.